Hey, salut toi! Ah, ça doit faire un bon petit moment que j'ai pas fait un live commentary, moi! Mais on se retrouve pour une excellente nouvelle, Call of Duty Black Ops Cold War est gratuit sur PlayStation! Même si je sais que je vous ai fait une vidéo récemment concernant les 100 nucléaires en moins d'une semaine, le défi Gotaga, je me suis dit, bon, pourquoi pas refaire une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War? Surtout que maintenant, eh bah oui, je suis sur PlayStation 5! Donc je vais pouvoir tester le jeu via PlayStation 5 et voir comment sont les lobbies. Même si je vous le cache pas, j'ai déjà essayé et je peux vous dire que les lobbies sont God. Ah, vous allez voir, il y a du level 1, il y a du level 10, il y a vraiment du bas level. Et c'est tout ce qu'on souhaite, un peu de plaisir. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. Tu connais l'objectif, les 200 000 abonnés avant 2024, et on s'en rapproche de jour en jour. De lâcher le gros pouce bleu, évidemment, ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide au niveau du référencement, ça montre votre soutien par rapport à la vidéo et à la chaîne en général, et ça me fait également plaisir. Nous, les youtubeurs, on est des putes à likes, très clairement, et on adore ça. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer hein, désormais que Call of Duty Black Ops Cold War est donc gratuit sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 en lançant une game un peu normale et on va forcément tomber sur des personnes qui sont vraiment très bas level. Et du coup ça va me permettre un peu de parler de certaines choses puisque Call of Duty Black Ops 3 était déjà sorti gratuitement 2 ans après sa sortie, Call of Duty Black Ops 4 c'était 1 an et demi après sa sortie si je dis pas de bêtises, et Call of Duty Black Ops Cold War sort également gratuitement. Alors je suppose que Treyarch aime bien nous sortir un peu des jeux gratuitement et tant mieux, hein. Gratuit veut dire pas cher, hein, très clairement. Et surtout que vous savez très bien mon opinion là-dessus, Call of Duty Black Ops Cold War est le meilleur multiplayer sorti depuis Call of Duty Black Ops 3, ne serait-ce pour son contenu, pour son gameplay, tout ce qui est disponible sur le jeu. Bon, on a pu entrer dans un lobby, parfait, on va balancer Express quand même, on n'est pas fou, mais il y a quand même pas mal de bas level. Bon, quelques prestiges déjà, ça m'étonne un peu. Voilà, commence à venir. Vous voyez, level 46, level 44, level 24, il y a vraiment beaucoup de bas level, et en démolition c'est encore pire, tu peux tomber sur des level 5, 6, genre j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est juste incroyable. Tout ça pour dire qu'on a l'habitude avec la saga Black Ops de toujours les avoir gratuitement au bout d'un certain temps. Call of Duty, bon c'est vrai qu'on l'a pas eu avec BO2, mais depuis Black Ops 3, puisque Black Ops 3 on l'a eu gratuitement à partir de World War 2, à partir de Call of Duty Cold War, on a eu Call of Duty Black Ops 4 qui est sorti gratuitement, et là maintenant 2 ans après sa sortie, on a un mois gratuit sur Call of Duty Black Ops Cold War. Parler en même temps et jouer, je vous avoue que c'est une habitude que j'ai absolument perdue. Et ça fait un peu bizarre. Tout ça pour dire que quand on a les jeux gratuits, bah il y a forcément des nouveaux joueurs, et je trouve que c'est une excellente idée. D'ailleurs, c'est que les Treyarch qui font ça. On n'a jamais eu ça sur Modern Warfare. Il me semble qu'on n'a jamais eu ça sur Stagehammer Games. Peut-être que je dis une connerie pour World War 2. Il y a éventuellement quelque chose qui m'échapperait. Mais dans mon souvenir, non. Ça, je t'ai entendu. Ah, par contre, sur PlayStation 5, vu que vous savez que j'ai eu récemment la PlayStation 5, parce que forcément, j'ai joué à XDéfiant, pour ceux qui me suivent sur Twitter, sur Instagram, donc n'oubliez pas de me follow sur les différents réseaux sociaux, c'est important. Ouais, ça, je t'ai entendu. Bah vu que je viens de passer sur PS5, je vous avoue que j'ai de la peine pour le moment à maîtriser ma manette PS5. Elle me fait très mal. Surtout au niveau des derniers doigts. Le petit doigt et je sais plus comment il s'appelle. Veuillez m'excuser, hein, mais j'ai complètement oublié. Enfin bref, les deux derniers doigts me font mal quand je tiens la manette. Hein, parce que t'as un coin sur les manettes. Alors ce n'est pas dû à ma manette burn. D'ailleurs je rappelle que vous avez 5%... Vous avez 5% de réduction avec le code LOCKTED sur le site Burn Controller avec des manettes de qualité, de Qualitax. J'adore ma manette Burn PS5, franchement. Ouais, mais bon, frérot, si tu vas commencer à jouer KSP, moi aussi, je vais commencer à jouer avec la Tech9, là. Et tout ça pour dire que j'ai quand même envie de tester les autres Call of Duty. J'ai envie de tester Call of Duty Black Ops 3, j'ai envie de tester Call of Duty Black Ops 4. Qu'est-ce que tu campes, toi? Ouais, je vous ai dit, hein, le shoot pour le moment c'est pas terrible avec la manette PS5, ça va venir avec le temps. Ne vous inquiétez pas, de toute façon si on tape pas la nuque maintenant, je ferai en sorte de la taper pour après. Mais j'ai envie de tester les autres codes, parce que honnêtement, bah déjà la version Cold War PS4 et PS5, honnêtement j'ai eu peur de pas voir une différence. Je vais être honnête, j'ai eu très très peur. Et finalement, je vois une énorme différence. Et ça fait plaisir. Et mes yeux aussi d'ailleurs, ils sont heureux. Quand t'as pas trop l'habitude. Par contre, on a déjà le canon à main. Bon bah, let's go. Vas-y, viens. Bientôt la vie, ça, on va un peu se concentrer.
Ah, c'est la mi-temps, qu'est-ce que je viens de dire? C'est la mi-temps. Et honnêtement, bah, Call of Duty Black Ops Cold War, bah, je l'adore, même si, comme je l'ai dit récemment, bah, j'avais fait le défi Gotaga. D'ailleurs, vous avez déjà tous décidé du prochain défi que je devais faire. Ça a été dit sur Twitter, ça a été dit sur Instagram, nucléaire sur tous les Call of Duty, mais uniquement aux snipers. Décidément, vous voulez vraiment ma mort? Non, je rigole évidemment, mais alors ça, je ferai pas ça en 24 heures par contre. Je ferai le défi normalement, il y aura pas de délai, etc. Vas-y, vas-y, on push C, je te laisse prendre. Ok. Let's go! Ah, la missat. Pourquoi t'as spawné? Attends, t'as spawn ou t'étais AFK depuis tout ce temps? Tu vas pas me dire que t'as spawné. Oh là 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 là. Je suis maudit. Vraiment, je suis maudit. Ok, let's go. Double kill. Et c'est vrai qu'en plus, pour ceux qui ont également vu, j'ai pu enfin récupérer un CD de Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 4. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que, à ce qui paraît, c'est gratuit. Alors, je savais pas du tout. Ok, ça fait mort. Il y en a encore un. Où es-tu? Ah, t'es là. Ok, en plus, parfait. Je vais pouvoir récupérer ton truc. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce que ça me saoulerait d'avoir acheté Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 4, sachant qu'il est gratuit sur PS5. Mais j'ai envie de tester. Surtout que je vais enfin pouvoir rejouer sur mon vrai compte, YouTube LockTetto. Le fameux compte qui a plus de 1000 nucléaires. Le premier compte avec plus de 1000 nucléaires. Ok, ça fait mort. Par contre, les alliés, vous faites n'importe quoi en termes de capture, hein. Maintenez la position actuelle. Ok. Petite série, là, de nouveau. En plus, on a le temps, en vérité. En vrai, on a tout le temps pour la taper, cette nuque. Ici. Tu veux venir? Tu veux pas venir? J'ai un micro-terrain, au cas où, derrière, s'il y a un mec qui spawn un peu de nulle part. C'est pas forcément un bon endroit, Philippe. C'est maintenant que j'y pense. Ouais, surtout que s'il y a un mec au top ici. Visiblement, il n'y a personne pour le moment. Ça, je t'ai entendu. Toi aussi. Toi aussi. Il y a encore un autre, là. Est-ce que les spawns... Non, les spawns, normalement, sont censés être ailleurs. Attends. Ne bruit pas. Ouais, ouais, j'entends des bruits de pas depuis tout à l'heure. Je suis pas taré, quand même. Ok, non. Comment ça, hitmarker? Ok, série 17. En plus, j'ai quelques kills d'avoir la vissotte. Let's go. Oh, le shoot était présent là quand même. Je suis focus parce qu'il y a moyen de taper la nuque en plein live commentary. 19. On a quelques kills. 11 kills, en plus j'ai la vissat. Allez, 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 grouille-toi. Qu'est-ce qu'il décide? Il va toujours pas me poche. Balance la greu. Let's go. Je suis à 6 kills. Non! Je suis mort. Mais qu'est-ce qu'il joue comme ça, lui? On va très vite se barrer. On a perdu Charlie. Je vois plus personne. 6. On peut se barrer. Wow, 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 non, 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 non. Et let's go! En plein live commentary. Ah bah c'est beau ça. Non. Let's go. Let's go. Il y en a encore un? Il n'y a personne d'autre?
Il n'y a personne d'autre. Ça dégage. Take my big nuclear in your ass. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai envie d'en fait connaître ces nouvelles sensations. Beaucoup de gens me disent que sur Call of Duty Black Ops 3, il y a beaucoup de problèmes d'input lag. Call of Duty Black Ops 4, c'est la même chose sur PlayStation 5. Et j'ai quand même envie de les voir aussi en termes de qualité, surtout BO3. J'ai envie de voir BO3 et BO4 en termes de qualité vraiment bien supérieurs à la moyenne. Et connaître un peu les sensations. Surtout qu'il faut que je m'habitue, puisqu'il y a le prochain Call of Duty, vous êtes au courant, donc Call of Duty Modern Warfare 3, qui est censé débarquer très prochainement. Et pour le moment, les news sur Call of Duty Modern Warfare 3 de Sledgehammer Games ne sont clairement pas bonnes, hein, faut très clairement dire. Pour le moment, on fera une vidéo à ce moment-là, mais pour le moment, c'est clairement mauvais ce qui est annoncé, et ça fait vraiment très flipper. En gros, ça serait Modern Warfare 2 de ce que vous connaissez maintenant, 2.0. En gros, ça serait ça. C'est une version, soi-disant, un peu améliorée, mais rien ne change. Donc ça fait un peu flipper. Bon, on va essayer de retrouver une autre game au cas où si on tombe sur des plus bas level pour vraiment vous montrer qu'en ce moment, Call of Duty Black Ops Cold War est plutôt assez intéressant à jouer. Et surtout que, oui, il y avait aussi une autre chose. De base, la vidéo qui aurait dû sortir, c'est le fameux script sur Call of Duty. J'aurais dû la sortir aujourd'hui, mais ce qui a été fait, c'était autre chose, étant donné que je m'attendais pas que Call of Duty Black Ops Cold War sort gratuitement au mois de juillet, début juillet. Je m'attendais que c'était plutôt fin, mi-juillet, ce qui m'aurait plutôt assez arrangé pour d'autres choses. Mais ce qui m'a arrangé pour maintenant, en fait, c'est que la vidéo sur le script, elle est déjà faite. Le problème étant que quand j'ai vu la vidéo, il y a des éléments qui manquent, il y a des choses qui me dérangent. Et quand j'ai voulu poster, j'ai fait non, je veux que ça soit de la qualité. Je veux que la vidéo, quand je vais la poster, elle soit faite. Je la veux quasiment parfaite. Et ça m'a plutôt assez dérangé, et quand j'ai vu Call of Duty Black Ops Cold War gratuit, etc., je fais bon, c'est le moment de faire une vidéo dessus. Tiens, d'ailleurs, on a un petit niveau 5 là, avec nous, là. Alors, je sais pas, vous allez pas le voir forcément avec la facecam, mais il y a un niveau 5. Bon, voilà, vous voyez, que des bas levels. Level 10, level 33, level 33, level 46, level 5, level 40. Il y a quasiment que ça. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. T'as l'impression de jouer à Call of Duty sans SBMM, d'ailleurs. Et du coup, je voulais absolument pas sortir une vidéo qui n'était pas assez travaillée. Donc, je vais la repousser de quelques jours, ne vous inquiétez pas, et elle va bientôt être postée. Même si ma priorité en ce moment, bah, ce que je vous ai dit avec Modern Warfare 3, c'est quand même essayer de j'ai envie de réessayer Modern Warfare 2. Sur PS5, parce que la différence entre, je suppose, PS5 et PS4 doit être énorme pour ce Modern Warfare 2, même si je n'aime pas les mouvements, même si je n'aime pas beaucoup de choses dans le jeu, et je sais que d'avance, je vais pas apprécier certaines choses. Il y a forcément certains éléments que je vais apprécier. Déjà plus apprécier dû au fait que j'étais limité à cause de la PlayStation 4. Mais ma PlayStation 4 mériterait quand même une place dans un musée, hein, parce qu'elle aura tout vécu. Des nombres d'heures incroyables sur Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Black Ops Cold War. Même Warzone, hein. Warzone, ça a quand même tourné sur PlayStation 4, hein, donc il faut quand même dire que elle a eu une seule fois un problème. Vraiment, une seule fois, si on le reste jamais. C'est assez impressionnant. Bien joué, mec. Je m'attendais pas que tu me viennes me poche aussi vite, en fait. Et je m'attendais pas que t'aies une AK-47 qui me laser au corps à corps. Il y avait une corruption de données sur ma PlayStation 4 et j'ai dû tout désinstaller. Tout désinstaller, hein. Ah, mais... Attends, t'as osé me t-back, là? Ok, d'accord, bouge pas. Ok, on a la visate. Bah venez, hein, continuez, hein, bon, y a pas de soucis, hein. Continuez, hein, y a pas de soucis. Non, mais y a quelqu'un qui doit essayer de comprendre un peu le respect, là. Avec 15. Bah non, non. J'ai la visate, j'ai tout. Oula, oula, les gros coups de lag. Oh oh. Ouais, ouais, la machine, la... Comment ça s'appelle, là? Ouais, système profit. Ah non. Non, non, monsieur. Bon, lui, il va revenir à son top. Tu te fous de ma gueule!
Non mais je t'ai dit que tu vas la prendre la nuque, tu vas la prendre mon gars. Non non mais toi tu... Ok. Ah évidemment. Je ne suis pas surpris que t'aies le counter. Ah il y a un counter allié. Oh ça c'est rare ça par contre. Ouais il s'agirait quand même de mourir. 23. Ouais c'est toujours le même avec son AK hein. Allez, encore un kill. C'est trop haut. Il a une de ces chats de fou, 17-23, il a failli se manger la double. Il a failli se manger la double, mais quelle chatte incroyable. Oh, j'ai le démon. Ah, ça partait sur une double là, par contre, attention. Attends, t'as cru que la vidéo, elle allait se terminer ainsi? Ah bah non, j'ai quand même laissé le plus beau pour la fin. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like, et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.